volant dans le ciel, zigzagant comme un frelon ou comme un cerf-volant. C'est Dragor le dragon, Dragor, Dragor, Dragor le dragon, Dragor, Dragor, Dragor le dragon. Sans hésiter, on ne peut se tromper. C'est Dragor, Dragor, le prince dragon. Tiens, je me demande ce que c'est. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Il faut absolument que je le montre à Étincelle. Étincelle, tu devineras jamais ce que j'ai trouvé. Suis-moi. J'arrive, Dragor. Qu'est-ce que t'as trouvé, Dragor? Allez, montre-le-moi. Dis, s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, c'est super. Fais voir. Non, c'est à moi. Je l'ai trouvé. Je veux juste la voir. Hé hey. Ah, c'est pas juste, hein. T'es plus grande que moi. Je voudrais que tu sois petite. Ah. Oh. Ce doit être une baguette magique. Elle a réalisé ton souhait. Excuse-moi, Étincelle, j'ai pas fait exprès. Je souhaite qu'Étincelle redevienne grande. La baguette magique a dû épuiser tous ses pouvoirs. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh my god, ok. Bon, bienvenue. Wow. C'était une longue intro. Ok. Dans le fond, un petit résumé de ce qui se passe vite. Je suis fatigué. Ça me tentait de faire une vidéo pareille. Donc là, Dragor, il a fait rapetisser Étincelle. C'est ça qui se passe. Ouais. Ok, c'était pas ça. Ok, est-ce que tout va me jouer de la musique dans les oreilles? Parce que là... Okay. Oh, shit! Non. Prends la clé, voyons. Prenons cette clé. On risque d'en avoir besoin. Bravo. Wow! Eh bien, que vois-je? On dirait que tu as fait un souhait que tu aurais souhaité ne pas faire. Seul le magicien peut vous aider. Avant d'aller le voir, allez dans la bibliothèque du château et prenez le livre de formules magiques. Ben, il sonne comme s'il s'en colle, celle. Bonjour, maman! Oh là là, vous vous êtes mis dans de beaux draps, tous les deux. Il vous faudra voyager loin pour résoudre ce problème. Ces livres vous aideront à mieux connaître notre royaume. Si vous en choisissez un, je vous le lirai. Lis-moi lui. Le royaume des dragons. Le roi Jérémy était un homme très bon, mais un très mauvais roi. Tout le jour, il chantait, et dès qu'était prononcé le mot dragon, il partait se cacher. Oh my god. Son royaume souffrait de nombreux maux. La terre ne donnait rien. Les lutins et les nains se disputaient. Uh-oh. Sans parler du problème des dragons. On peut pas dire ça, là. Si tu ne vas pas combattre le mauvais dragon dans la forêt de Feu Bouquet, lui disait-on. Personne ne te respectera en tant que roi. Un dragon, moi? Dit Jérémy. Mais je n'ai pas fini ma chanson. Il est où le jeu, là? C'est pas le jeu, ça. Ça se peut pas. Jérémy alla dans la forêt, tremblant de peur. Puis il vit le camp des dragons et sourit. C'est donc cela votre vie? Dormir sous les étoiles? Ni soucis, ni responsabilités? Si j'habitais ici, je pourrais jouer et chanter toute la journée. Je hais cette vie, soupira le dragon. Ni soucis, ni responsabilités. Je veux rendre le royaume agréable à vivre, mais le peuple croit que les dragons sont mauvais. C'est vrai, soupira Jérémy. Et que les rois devraient les combattre. Mais alors? Oui, dit le roi. Ils veulent que je me batte contre toi.
Jérémy et le dragon se mirent en route vers le château pour le grand combat. Peut-être que si tu pompais l'eau de la rivière, cela ferait pousser les cultures. Dit le dragon. Répondit le roi. Je n'y avais jamais songé. Ils croisèrent des nains et des lutins se chamaillant. Peut-être que si le roi écoutait les deux parties, les bagarres prendraient fin. Dit le dragon. Pensa Jérémy. Le peuple se rassembla au château pour le grand combat. 100 trompettes sonnaient. Jérémy et le dragon chargèrent. Mais au dernier moment, le roi eut la première bonne idée de sa vie. Psst, chuchota-t-il au dragon. Peut-être que l'on pourrait échanger nos places. Un dragon roi ? S'écria le peuple. Oh non ! Mais très vite, les chants devinrent verts, les se mirent à jouer avec les lutins. Et le peuple aima tellement son nouveau roi qu'il baptisa le royaume des dragons. Quant à Jérémy, eh bien, vous le rencontrerez sans doute sur les chemins, chantant et jouant de son luth. Donnez-lui donc une pièce pour qu'il pense à manger. Bon, ok, fait que le premier livre, c'est comment le dragon est devenu roi. C'est quoi le... Est-ce que je veux vraiment faire le deuxième? Julot le géant et les abeilles. Il était une fois un brave géant appelé Julot, qui n'avait peur de rien. Enfin, presque rien. Des abeilles! Et si elles me piquaient? Allez-vous-en, les abeilles! Un matin, après avoir travaillé dur pendant 7 longues minutes, Julot fit comme tous les géants. Il fit une sieste. Pendant son sommeil, une tempête se leva. Les éclairs fendaient le ciel. Le vent grondait comme un dragon furieux. Mais Julot ronflait toujours. Crac! C'est là! Il va tomber sur Julot! S'écria l'ours. Il faut le réveiller! Malheureusement, il est plus facile de décrocher la lune que de réveiller un géant. Debout! Hurla l'ours. Debout! Siffla la souris. Mais Julot ronflait comme le tonnerre. Je sais ce qu'il faut faire! Bourdonna une abeille. Tout ce qu'il lui faut, c'est une douce et innocente petite... piqûre! Aïe! Mon orteil! Hurla le géant, cette fois bien réveillé. Ah! Une abeille! Ah! Un arbre! Julot leva la tête et aperçut l'arbre énorme qui lui tombait dessus. Il s'enfuit juste à temps. Tu m'as sauvé la vie! Dit le géant à l'abeille. Et depuis ce jour, Julot nourrit les abeilles de la forêt qui aiment particulièrement sa confiture. C'est, paraît-il, la meilleure du royaume. Oh my god. Est-ce que je suis prêt? On va le faire. On fait-tu? Super! On dirait le livre de formules magiques. C'est fermé! Oui, puis c'est pour ça qu'on va l'ouvrir, Flamèche. Ah, oh, c'est étincelle, son nom. Ouais, de la potion de feu! Super! Maintenant, je peux cracher du feu! Maintenant que je suis petite, tout ce que je peux cracher, c'est... des étincelles! C'est le théâtre de marionnettes de Marion! Choisissez donc un, deux ou trois! Un nouveau spectacle à chaque fois! Avant chaque représentation, décorez la scène à votre façon. 1. Oh my god.
Ah ouais, esti. Décroche. Avec un mouton. Un petit buisson devant le mouton. Ah, c'est trop de pression, là. Oh, shit. Ok, action. Je suis le plus brave et sans me vanter, pas un dragon ne peut m'apeurer. Mais que vois-je, belle demoiselle, tournoyant parmi les dentelles. Wow, mon mouton! Mais qui donc est ce chevalier qui s'approche sans être invité? Vilain dragon, écarte-toi, c'est pour la belle que je suis là. Je peux-tu skip? Je peux pas skip. Belle demoiselle, j'ai attrapé l'homme fou, n'allez pas marier. Adieu, mais survenu pour rien, ce vilain dragon est le mien. Ok, that was nice. Wait, non, c'était le fun. Hey, that was nice. Au Québec, c'est mon hostie. J'aime pas la face. Faire des grimaces, c'est mon jeu. Je fais toujours semblant. Tu ne connaîtras jamais mon nom. Je fais des masques tout le temps. Savoir faire des super grimaces, c'est plutôt amusant. Mets les yeux et la bouche à leur place. Et voilà, c'est un masque. Ok. T'as peur, je vais essayer. Je vais me faire un masque. On peut-tu garder le masque? Oh boy. Ah, ok, je peux pas le mettre plus bas que ça. Bon. Fuck it, on est carré. Hein? Ah! C'était-tu pour rien? C'était vraiment juste ça? Ok, bon. La route est bloquée! Oh, ça ne fait rien! On peut survoler la branche! Allons, dégageons quand même la route pour ceux qui savent pas voler. Que des étincelles! Quand je serai grande, j'espère que je pourrai de nouveau cracher du feu. Non. Ouf. Vous êtes bien à la cabane du magicien, bravo! Rien n'apparaît tel qu'il paraît. Oui, tout à fait vrai. Pourquoi? Bro. Si vous voulez voir un prince charmant, ne m'embrassez pas. Ok, merci, j'apprécie. Bonjour, jeune dragon. Je suis Solimène, le magicien. Solimène? On se trouve trop petite, je vois. Serait-ce donc vous qui avez trouvé ma baguette magique? Désolé, je savais pas que c'était la vôtre. Ça ne fait rien. Je suis heureux de l'avoir retrouvée. On dirait que vous avez besoin d'aide. J'ai fait un souhait que j'aurais pas dû faire. Il a fait un souhait qu'il n'aurait pas dû faire. Bon, je ne suis pas un expert en dragon, mais je vais faire de mon mieux pour réparer la situation. Il me faut un livre de formules magiques pour dragon. Hey, j'en ai un. J'ai un livre de formules magiques pour dragon. Excellent. Le voici. Agrandir un dragon. Aïe, 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 ce ne sera pas facile. Il nous faut des ingrédients très spéciaux. J'ai besoin d'une fiole d'eau magique, d'un fruit à pois rouge et d'une huître démarrée. Apportez-moi tous ces ingrédients et Étincelle retrouvera sa taille normale. Bonne chance! Merci. T'as-tu des ingrédients chez vous? Non, il m'a pas répondu. Bon. Regarde, un livre de magie. C'est écrit. Pour faire un tour de magie, choisissez un ingrédient sur chaque étagère, puis touchez la bouilloire. Ok. Moi, là, j'ai l'impression que c'est pas ça qu'il faut faire. C'est n'importe quoi là-dedans, là.
Ça va faire de la merde, juste de la merde. Puis c'est juste pour qu'on perde du temps. Fait qu'on va retourner dehors. Hey, salut, man. Là, là, le petit... c'est quoi, c'est un tamis... Un tamis... Moi, je me rappelle plus, là. Le petit... C'est de chipmunk, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Oh! Que d'écureuil, me voilà, oiseau. Sapristi, le magicien ne doit pas être loin. Bonjour pour partir à l'aventure. Ok. Je pensais qu'il me disait bonjour. Non, non, non. C'est un bonjour pour partir à l'aventure. Dans le fond, il m'a donné son bonjour pour que je puisse partir à l'aventure. Je pars à l'aventure. Il faut qu'on fasse un choix. D'accord. Je choisis de grandir. Oh, allez. On ferait bien de trouver les ingrédients dont nous a parlé le magicien. Ouais, je sais. Là, les buissons, ils ont l'air d'avoir des faces, là. Dans les marais gluants, vit un vieux troll grognon. S'il reçoit une lettre, il chantera votre nom. Ok. Pourquoi il vole pas, Dragor? Il me semble que ça irait fucking plus vite, man. Oh, ça c'est le marais. Ok, on va au marais. La prochaine fois que tu fais un souhait, souhaite plutôt un bon anniversaire. Oh my god. Ta gueule, étincelle. Personne ne pénètre dans les marais gluants, vous entendez? Personne! Si vous permettez, monsieur, vous n'avez pas l'air très heureux. Oh, vous ne rencontrerez jamais plus malheureux que moi. Mon ami, c'est mon frère, mais on s'est dit au revoir. Oh, c'est l'histoire des... On s'est fâché un jour d'hiver, c'est moi qui avais commencé. Maintenant, j'ai le cœur à l'envers depuis qu'on est séparés. Ah, ta gueule. Personne ne pénètre dans les marais gluants, vous entendez? Personne! Les marais gluants, c'est comme ça que t'appelles ton année. Mais là, Dragor, t'es un dragon, t'as des ailes, tu voles. Pourquoi tu t'arrêtes en face du gars qui te dit que t'as pas le droit d'aller plus loin? Nous sommes les fées de la forêt, vos êtres fluettes, Fanny. On garde les baies dorées toutes les trois jours et nuit. On ne s'arrête pas de chanter. Personne n'entre dans le cercle des fées. On ne s'arrête pas de chanter. J'ai vu ça. Personne n'entre dans le cercle des fées. Je suis Dragor, prince du royaume des dragons. Et voici ma sœur, Étincelle. Peut-on entrer? Certainement pas! Wow! Wow! Hey, personne ne rentre dans votre cercle, là. C'est-tu parce que vous êtes des trous de cul ou c'est parce que vous avez pas d'amis? Bonjour! Pourriez-vous donner une pièce d'or à un pauvre étranger que la chance a quitté? Désolé, nous n'avons plus une seule pièce d'or. Peut-être la prochaine fois. T'arrêtes pas de demander de l'argent, man. Chill, fucking chill. J'ai pas d'argent. J'ai du feu, j'ai un papier et j'ai une clé. Man, je pense que c'est mon cue pour changer le jeu. Écoute, on arrête ça. On dirait qu'on va avoir droit à un tour plus long que prévu, Triton. Waouh, quelle belle journée! Sans où tes parents? Hey! Moi aussi, je suis content de te voir, Triton. Bonjour, je m'appelle Grégoire Dubois et j'habite ici, à Beauchêne. Voici Triton, mon lézard apprivoisé.
Il y a une montgolfière dans le parc du village aujourd'hui. Je vais essayer de faire un tour. Ok, on y va. Oh, c'est tellement fucking random. Pourquoi? Ok, la flèche. Je crois que je vais couper à travers bois. Mais à travers quoi d'autre, bro? T'habites dans le bois. Il faut que je trouve un moyen de traverser ce ruisseau. Il est trop large pour que je puisse sauter. T'es pas sérieux, man. T'es pas sérieux. Oh. Wow. Ok. Oh, oh. Il est trop large pour que je puisse sauter. Mais tu peux pas utiliser la corde juste là? Je sais! Je vais sauter en m'accrochant à cette corde. Youpi! C'était drôle! Maintenant, je peux aller au parc. Oh my god. Il regarde la corde. Je pense qu'il veut le faire encore. Fais-le. Vas-y, man. Amuse-toi. Oh, wow! Quel atterrissage! Aïe, 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 aïe. Oh shit! Oh! J'ai failli tomber! Ben oui, hein, attention, Grégoire! Waouh! Regarde cette montgolfière! Bonjour, monsieur Sous-Bois! Quelqu'un, Grégoire! Oh, that's fucking nasty, bro! Regarde, Tina! C'est ton petit frère! C'est aussi ton petit frère, Nina! Bonjour, Grégoire! Tu aimerais bien faire un tour en ballon, hein? Si tu n'as pas trop peur. Non, j'ai pas peur. Hey, Grégoire, écoute. Si tu vas à la librairie me chercher le livre que j'ai commandé. Oh. Excuse-moi, je te ferai faire un tour de ballon vraiment très long. Waouh, d'accord, monsieur Sous-Bois. Je vais chercher votre livre. Est-ce que c'est les seules personnes qui habitent dans le bois? Genre, ouais. Tiens, bonjour mon fils. As-tu vu la montgolfière dans le parc? Oh oui, papa. Monsieur Sous-Bois me fera faire un tour vraiment long si je lui apporte le livre qu'il a commandé. Tu en as de la chance. Va voir ta maman dans le magasin. Elle te donnera le livre de Monsieur Sous-Bois. Bonjour, maman. Bonjour, Grégoire. As-tu fait un tour dans la montgolfière? Pas encore, maman. Monsieur Sous-Bois m'a promis un tour très long si je lui apportais le livre qu'il a commandé. Vraiment? Quelle chance! Tiens, voilà justement le livre de Monsieur Sous-Bois. Merci, maman. King Grégoire, c'est un magicien et puis personne n'en parle. Personne en... What? Hey! Grégoire et le géant. Grégoire et le géant. Non, on l'a vu celle-là dans l'autre jeu. Bye! Bye! Tu m'as rapporté mon livre! Merci! Excuse-moi! Merci, Grégoire! Maintenant, tu peux faire un tour de montgolfière vraiment long! Chouette! Bon, c'est parti! Oh non! Yipe! Yipe! Voilà! On dirait qu'on va avoir droit à un tour plus long que prévu, Triton. Oh là là! Reviens ici tout de suite, Grégoire Dubois! Je vais le dire à papa et maman. Bonjour, papa! Bonjour, Grégoire. Mais Grégoire, mais où vas-tu? Je ne sais pas, papa! La corde du ballon s'est cassée. Ne m'attendez pas pour le dîner. Mais attends. Waouh, on est vraiment haut. On voit Beauchêne en bas, Triton. Regarde, on dirait papa, là. Et voilà Monsieur Sous-Bois. Ils agitent les bras dans notre direction. Accroche-toi, Triton. Le vent se lève. Oh, shit, Triton.
Ne t'inquiète pas, Triton. Je vais trouver un moyen de rentrer à la maison. Au moins, le vent s'est calmé. Je me demande où on est. Regarde, Triton, on dirait une fête foraine en bas. Tu as raison. Il faut que je trouve un moyen d'atterrir tout de suite. Tiens, je parie qu'on peut atterrir en laissant sortir l'air du ballon. C'est coincé! Atterrissage. Triton, ça va? Il va falloir que je trouve une échelle pour le faire descendre de l'arbre. J'aurai aussi besoin d'hélium pour regonfler le ballon et d'une carte pour retrouver mon chemin. Je vais écrire une liste pour ne rien oublier. Un chapeau de paille? Quelqu'un a dû le perdre. Bon, pas vous mentir, la cinématique a été longue. Puis j'ai comme perdu l'envie de jouer à ce jeu-là. Fait que c'est où le bouton pour quitter? Ok, jouer. Oui, non, paramétrer. Ok, film des théories. Je sais pas c'est quoi. Effet lumineux, on va laisser ça. Transparence, ok, sure. Note auto. On va mettre ça, hein. Majordome. Je sais pas. Au moins trois personnages. Un joueur humain. Ah, mais là. Ok, je vais être. Un humain. Là. On joue pas de lance. Hey, je sais pas c'est quoi, esti. J'ai jamais joué à Clou à part à l'ordi, fait que je sais même pas ce que je fais. C'est pour ça être quoi ça là? Hein? Je comprends pas la cutscene. Ok, Mademoiselle Rose. Oh, last day, on a un. Et tabarnak. Colonel Moutarde, à vous deux, veuillez lancer les. Pourquoi ça coupe? Deux. Ok, fait que là, faut que je m'en aille dans les places, là, c'est ça? Je peux-tu bouger là-dessus? Un. Deux. Oh shit! Il y a eu trois? C'est pas juste. C'est pas juste. Vas-y, Olive, là. Six! Un. Hey, c'est pas juste. Non, l'ordinateur, il y a un problème, là. Je peux-tu, genre, accuser quelqu'un? C'est ça? Un suspect? Madame, là. Ensuite, là. Wow. Mais c'est pas moi. Hey, hey, hey. Wow. C'est moi, violet, là. J'ai plus le choix. J'ai pas le choix.
poignard dans le salon. Annulé. Bon. J'ai eu 6 là, t'as peur. Ok. Ça va dans la salle à manger ou dans le salon? 1, 2, 3, 4, 5. Yes! Ok. Un suspect? Pourquoi? Pourquoi un suspect là? Ok, on va suspecter le blanc avec le chandelier parce que c'est ça qu'on voit dans le cutscene. Je soupçonne. Madame Leblanc ne peut pas nier cette déduction. Le révérend Olive peut contester ses soupçons. Oh shit. Comment ça, elle avait pas contesté, mais lui, il peut. Ok. What does that mean? Je comprends pas. Prochain next. Wow! Le révérend Olive peut contester ses soupçons. Ok, mais là, Olive, t'es sauce, là. T'es sauce en tabarnak. Wow! Pourquoi moutarde? Le professeur Violet peut réfuter les soupçons. Ah ouais? Je peux faire ça? Salle de bal? Elle s'accuse elle-même? Ah, véranda. Ok. C'est quoi mes notes, là? Véranda, Mademoiselle Rose, salle de bal. C'est quoi ça veut dire? Toutes tes notes, c'est quoi? Chandelier, olive, puis violet. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est pas là! Qu'est-ce que tu vas faire, man? T'es pas game! Wow! J'ai fait une petite feinte avec les genoux, là. Damn, olive. Fais ça en violet. Ok, fait que ça, c'est ce qu'on sait que c'est pas. Chris, mon application de notes ouvre pas sur mon téléphone. J'ai pas de papier, j'ai pas de crayon. Merci Zuckerberg. C'est soit moutarde, soit rose. Professeur Violet, à vous de jouer. Lancez les dés, prenez le passage secret ou faites une suggestion. Ah, c'est à moi. Excusez. Passage secret? Il a dit passage secret. C'est-tu là? T'as eu brasse tes dés, mon calice. Ok, fait que là, un peu, je suis encore en train de prendre mes notes là. Excusez. Lui, il dit que Rose est innocente. Il y avait aussi Madame Leblanc, puis Pervenche. Fait que c'est Colonel Moutarde. Je vais l'avoir amené là. Tu peux pas aller passer à secret, mon hostie. Il est juste là. Ok, vas-y là. Là. Colonel Moutarde. Avec le poignard. Wow! Le colonel Moutarde ne peut pas contredire cette hypothèse. Madame Leblanc ne peut pas nier cette déduction. Le révérend Olive ne peut pas contester les soupçons. Madame Pervenche ne peut pas contester cette suggestion. Le professeur Violet ne peut pas démentir cette théorie. Ok, Moutarde avec le poignard dans la salle à manger. On est dans la salle à manger, right? Accusé. Mademoiselle Rose ne s'est pas trompée dans son accusation. Oh! Holy shit! Fucking colonel Moutarde, bro. Je le savais, esti. Non, je le savais pas. En tout cas, c'était Clou. Première fois que je joue à Clou puis que je gagne. Sûrement la dernière.